Pourquoi m'avoir livré l'autre jour ô ma mère à ces hommes méchants qu'on nomme matelots, qui toujours aux enfants parlent avec colère et se plaisent à voir leurs cris et leurs sanglots. Toi, mère, tu rendais la douleur moins pénible, la vie était plus douce à celui qui pâtit. Si ces hommes sont mauvais, la mère est bien terrible. Ma mère, qu'as-tu fait de ton pauvre petit? Ma mère, qu'as-tu fait de ton pauvre petit? Dans ton logis, le pain était bien noir, ma mère, mais ta main le donnait avec des mots si doux que pour moi la saveur en était moins amère. Et puis je le mangeais assis sur tes genoux. Ici, point de pitié, personne hélas qui m'aime. Et lorsque le repas des autres se termine, on me jette ma part en lançant un blasphème. Ma mère, qu'as-tu fait de ton pauvre petit? Ma mère, qu'as-tu fait de ton pauvre petit? Mais qui vient donc encore troubler ma rêverie? Un bruit qui m'épouvante a retenti partout. Voici l'aigre sifflet du maître qui nous crie: quittez votre hamac, allons debout, debout. On se parle tout bas et chacun s'inquiète. J'entends le mât craquer, la mer qui mugit. Tout le ciel est en feu, grand Dieu, c'est la tempête. Ma mère, qu'as-tu fait de ton pauvre petit? Ma mère, qu'as-tu fait de ton pauvre petit?